Hey! Salut à tous, c'est Luis du 10 Gaming. Aujourd'hui, je vous présente le pack Bad Boy Pack CC. Eh oui, je vous le présente, hein. Il y a pas mal de petites choses. Allez, on est parti pour vous présenter les vêtements et les coiffures. Allez, on va commencer. On va aller tout de suite dans contenu personnalisé. On va déjà commencer par les coiffures. Alors, les coiffures, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 coiffures. Alors, on y va. On va commencer tout de suite. On va commencer par la première coiffure, c'est celle-ci. Avec, pareil, il y a pas mal de coloris. On a du jaune, on a un peu tous les styles de coiffure, de couleurs. Voilà, je vous montre un petit peu en détail. Allez, je vous montre un petit peu en détail avec ces coiffures qui est pas mal, avec la petite queue de cheval. C'est une coiffure qui est vraiment pas mal. Il y a plein de coloris, bien sûr, hein, pour vous montrer un petit peu en détail tout ce qu'il y a. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième coiffure. La deuxième coiffure, c'est celle-ci. Alors, celle-ci est vraiment pas mal, coupée à l'arrière, avec les cheveux dans le vent, avec plusieurs coloris. Pareil, je vous montre un petit peu en détail ce qu'il y a comme coloris. Très très belle coiffure, bien sûr, avec rasé derrière et queue devant. On va passer à la quatrième coiffure. Quatrième coiffure, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle est vraiment bien. Vous la montre et comme toujours je vous mettrai le lien dans la description du pack Bad Boy, bien sûr. Déjà on commence déjà par les coiffures, hein, vous voyez, à plein de coloris. Je vous montre un petit peu en détail les coloris qu'il peut y avoir, hein, vous voyez. On va passer à la quatrième coiffure. Quatrième coiffure, c'est celle-ci. Et eh oui, celle-ci, c'est une de mes préférées, avec la petite mèche qui descend là et à l'arrière avec les cheveux qui partent en arrière. Et très bien, très belle coiffure, hein. Pareil, avec plusieurs couleurs. Passons à la cinquième coiffure. Cinquième coiffure, c'est celle-ci avec les cheveux plaqués. Vous voyez, un petit peu en détail, je vous montre. Pareil, avec plusieurs couleurs. On va passer à la sixième coiffure. Sixième coiffure, c'est celle-ci. Voilà, je vous montre. Une très très belle coiffure, hein, vous voyez, hein, qui est vraiment bien avec les cheveux qui reviennent en arrière comme ça et à l'arrière qui descend. Voilà, je vous montre un petit peu en détail. Passons à la septième coiffure. Septième coiffure, c'est celle-ci avec la nœud de cheveux, avec la petite queue de cheval, pareil, hein, vraiment bien avec style pour faire un style de votre Sims. Ensuite, on a celle-ci avec des cheveux longs, pareil avec encore une queue de cheval, mais les cheveux un peu plus longs. On va passer à celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment bien. Pareil, on revient sur les mêmes styles. Vous voyez, on a été déjà dans les premiers styles. On revient sur les derniers. Et la dernière coiffure, c'est celle-ci. Et oui, c'est celle-ci. Et voilà. Je vous la montre un petit peu en détail, cette coiffure. On va passer dans les barbes. Dans les barbes, je ne sais pas si on en a. On va aller voir ça tout de suite. Je ne sais pas du tout. Non, on n'en a pas, donc hop, on n'a pas de barbe, c'est bien. Ensuite, on va aller voir dans les casquettes. Dans les casquettes, on va aller voir si on a des casquettes pour le style. On va dans le contenu personnalisé. Oui, on a celui-là. Avec. Ouais, c'est une veste, on va dire en gros, une veste noire. Ouais, je vous montre en détail. Qui est vraiment bien en noir. Je ne sais pas ce que ça fait d'ailleurs dans. Coiffure, hein, bien sûr. On a le masque. Voilà, le masque pour faire un style à votre Sims. Voilà, dans les barbes, on a ces styles qui est vraiment bien. On va aller tout de suite faire un tour dans les accessoires. On va aller voir s'il y a des contenus personnalisés pour les accessoires. Alors, pour les accessoires, oui, on a des boucles d'oreilles, des piercings. On peut mettre, hein, pour faire un style à votre Sims, hein, vous voyez, je vous montre un petit peu en détail plus près. Je vous montre un petit peu, vous voyez, stylé, vraiment bien stylé avec ceci. Ensuite, on a celle-ci comme boucle d'oreille, style à la Topher. On a celle-ci avec pareil, style à la Topher, des petites boucles d'oreilles. On a celle-ci. Voilà, on a une boucle d'oreille là et une boucle d'oreille là. C'est stylé. Vous voyez, je vous montre. On a celui-ci dans les accessoires. Pareil pour un toffeur. Si vous voulez faire un toffeur, vous pouvez.
Ensuite, on a une paire de lunettes, je crois, oui, une paire de lunettes de soleil avec plusieurs coloris. Allez, plusieurs coloris, je vous montre. Voilà, tout noir, gris, on a plein de couleurs. Voilà, je vous montre un petit peu en détail ce qui peut se passer dans tout ça, dans ce petit pack. Vous voyez, avec les lunettes et tout, ça va bien et tout va bien ensemble. En a-t-il des colliers? Alors, des colliers, on va les dire en contenu personnalisé tout de suite. Oui, on a celui-ci qui va bien. Vous voyez, avec le style à la punk. On peut mettre en noir, on peut mettre en ce qu'on veut comme couleur. Hein, vous voyez. Donc, on va mettre en style comme ça. On va le tister. Très bien. Voilà. Donc, ensuite, on va passer au maquillage. Au sourcil ou au maquillage. Je ne sais pas si on en a. On va aller voir ça tout de suite pour les garçons. Non, on n'en a pas pour les garçons. Mais là, c'est les coiffures que pour les garçons. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut avoir. Et puis voilà, on a passé aux coiffures. Maintenant, on va passer aux vêtements. Allez, aux vêtements, on va aller dans les hauts. On va aller voir ce qu'il y a dans les hauts, bien sûr. À la style, comme toujours. Voilà, on a tout ça dans les hauts. Je vous montre un peu en détail. On a cette jolie veste-là qui va bien avec style... à la Walligan, pareil avec plusieurs coloris, on peut le mettre en ce qu'on veut, en blanc. Là vous voyez avec le t-shirt blanc, on peut le mettre en violet, et t-shirt violet, on peut le mettre en noir, en tout noir. Voilà, je vous montre un petit peu en direct de cette veste. On a un dessus de costard. Dessus de costard, vous voyez, je vous montre un petit peu en détail, c'est stylé. Et il y a pareil plusieurs coloris. Je vous les montre tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est impeccable. Je vous ai montré un petit peu tout ce coiffure. Ensuite, on a celle-ci comme chemise, un peu stylée, avec plusieurs coloris, pareil. Allez, hop, je vous les montre. Et oui, avec plusieurs coloris, hein, comme toujours, hein, c'est un style. Voilà, une chemise stylée pour les Sims qu'on peut avoir. Et on va le faire un peu baraqué aussi. Alors, on va le faire un peu baraqué. Allez, on va le faire comme ça. Hop là, il est assez costaud, c'est bon. Voilà, je vous montre un petit peu les tenues qu'il peut y avoir. On a ce t-shirt noir, ce t-shirt gris avec plusieurs coloris. En noir aussi, on peut l'avoir en noir, on peut l'avoir en rouge. On peut l'avoir en bleu. Voilà un t-shirt, hein, je vous montre. Ensuite, on va passer à une veste de sport. Voilà, on a cette veste pour faire du sport avec pareil plusieurs coloris. Je vous montre en détail. Voilà, bad dad boy, dad bod. On a ce dessin, on a celui-ci, on a celui-là en tout noir avec des traits noirs, encore un autre comme ça avec des traits noirs. On a un rouge comme ça et on a un comme ça. Ensuite, on va passer à la tenue suivante, un dessus pareil qui est pas mal, un t-shirt avec des coloris, je vous montre. Voilà, avec plusieurs coloris, hein, Adidas, toutes les couleurs, hein, voyez, Adidas pour faire pour le sport, quoi, on va dire en gros. Ensuite, on va passer à cette petite veste bleue, voilà, avec pareil plusieurs coloris. On l'a en gris, t-shirt gris, t-shirt noir, on a comme ça, on l'a avec le t-shirt jaune, avec le change de veste, la noire, avec un t-shirt noir, blanc, avec le blanc et bleu, on a le gris. Voilà, je vous montre un petit peu en détail ce qu'il peut y avoir. On a aussi en vert, avec le t-shirt vert. Voilà. Ensuite, on a ce blouson en cuir avec pareil un blouson en cuir un peu mâle qui est pas mal avec pareil plusieurs coloris, vous voyez, avec un t-shirt blanc, avec un t-shirt vert. Voilà, vous voyez des t-shirts en différentes couleurs avec un loup, avec ce que vous voulez bien sûr, on a plusieurs couleurs. Je vous le montre en détail. Voilà. Voilà, on a plusieurs coloris comme ça. Et je vous les montre, cette belle veste en cuir. Et voilà. On va passer à la veste en cuir suivante. Même style, mais d'une autre façon, sans la capuche. Voilà, je vous montre un petit peu en détail.
avec pareil plusieurs couleurs. Vous voyez, hein, avec le violet, on va avoir avec le petit t-shirt noir, avec celui-ci, on a celui-là, on a celui-là, on a celui-là, on a celui-là. On a aussi ensuite après ce t-shirt là avec plusieurs coloris en blanc. Qu'est-ce qu'il est, je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est stylé, hein, vraiment une petite veste, vraiment bien. Et on va terminer par le dernier blouson, un blouson d'hiver avec un style différent et des couleurs différentes. Voilà, je vous montre un peu. On va aller tout de suite regarder un petit peu les couleurs. On a un peu plus foncé avec le t-shirt, même pas. On a en comme ça, avec le t-shirt noir. On l'a en comme ça, avec celui-ci. On l'a en gris. On l'a en comme ça aussi. On l'a avec le t-shirt un peu rouge et blanc. On l'a en tout noir. On l'a en noir foncé avec un autre dessin différent. Et voilà, je vous montre un petit peu en détail. Voilà, je vous montre un petit peu en détail comment que ce petit pack est très 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 beau, joli. Et voilà, je vous ai montré les hauts. Maintenant, on va aller voir les tenues complètes. Alors, les tenues complètes, on va aller dans contenu personnalisé tout de suite. Voilà, hop, on n'en a pas. Donc, on n'a pas de tenue complète. Et on va aller voir dans les bas. Et dans les bas, on a plusieurs pantalons, je crois, il me semble. On va aller tout de suite dans contenu personnalisé. Hop, et voilà, ça va venir tant que ça charge. Avec plusieurs styles de pantalons, bien sûr, je vais vous montrer ça en détail. Tout de suite, on a celui-ci qui va bien, noir, avec pareil, plein de coloris. Voilà, on a des couleurs un peu comme celle-là. On a cette couleur, on a celui marron, on l'a en noir. On l'a en marron clair, on l'a en marron foncé, on l'a en rouge, ouais, marron très foncé, on l'a en comme ça, on l'a en comme ça, voilà, les petites couleurs. On a celui-ci, on passe à la deuxième, le deuxième pantalon, c'est un genre de style. Voilà, je vous montre un petit peu en détail. Voilà, avec ce style de petit pantalon et pareil avec plusieurs couleurs. Hein. Voilà, je vais vous montrer en détail. On a en noir, on l'a en bleu, on l'a en comme ça, on l'a en comme ça et on l'a en comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu en détail. Quatrième, on va passer aux jeans. Un jean, voilà, un jean foncé avec pareil plusieurs coloris. Voilà, des coloris, hein, il y en a. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Voilà, et en gris. Passons à la quatrième pantalon. Le quatrième pantalon, c'est un style comme ça. Jean, pareil. Avec, pareil, plusieurs couleurs. Voilà, je vous montre un petit peu en détail. Ça va bien avec l'ensemble, hein, pour faire un style. Ce bad boy pack, hein, bien sûr. Après, on passe au suivant. Un pantalon plus léger avec quatre couleurs différentes. Voilà, je vous montre. Passons à la huitième tenue. C'est aussi encore un jean stylé avec plusieurs coloris. Voilà, je vous montre. Un peu stylé. On a en comme ça. On l'a en bleu clair. On l'a en comme ça. On l'a en gris. On l'a en plusieurs couleurs. Vous voyez, hein, pas mal. Hein, pas mal, franchement, pas mal. En vert. Ceinture verte avec une ceinture rouge. Et ouais, on a plusieurs coloris comme ça, qui est vraiment bien fait. On y va, on montre en détail ce jeans. Voilà, vraiment stylé, avec un jean tout troué. Ça fait un style. On l'a aussi en comme ça, encore plus troué, en noir, troué. On l'a comme ça, en blanc et noir. On l'a en bleu rouge, avec la ceinture rouge. On l'a comme ça, toujours avec en troué, en passant comme ça, un troué. Voilà, je vous montre un petit peu en détail les coups.
avec des dessins et on l'a en comme ça. On l'a aussi en comme ça. Je montre un petit peu en détail, hein. Vous voyez, ils sont vraiment bien. Ce petit pack, s'il vous plaît, vous pourrez le télécharger. Vous mettrez le lien dans la description, comme toujours. Voilà, on a en détail, on a plusieurs coloris avec la ceinture, avec des couleurs comme ça. On l'a en comme ça, en pantalon d'armée, en tri d'armée, vous voyez, stylé. On l'a en comme ça, vous voyez, hop, on va montrer un petit peu en détail. Allez, hop, on va y aller. Vous voyez, à plusieurs coloris et plusieurs styles, bien sûr, vraiment bien. On l'a en rouge, on l'a en violet, on l'a en rose aussi, en rose. Pour un garçon, ça serait pas beau. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on continue. Je vous montre ça en détail. Et j'espère que vous allez bien quand même, bien sûr. Et j'espère que le confinement, vous le passez bien. C'est bientôt la fin. En espérant que ça va bien se passer. Ensuite, on a un short. Alors, on va enlever tous les hauts. Allez, on va enlever tout ça pour voir un peu. Ce qu'on a, on va enlever les hauts, on va le laisser torse nu comme ça. Voilà, on a un short pour dormir en bleu. Avec plusieurs coloris, pareil en rouge, en gris, en bleu, en violet, en noir. Voilà, je vous montre un petit peu hein, pour dormir, c'est le style idéal. On a ce jean, voilà, des troués, pareil hein, pour le style. Voilà, voilà, c'est stylé, hein. Je vous montre un petit peu toutes les couleurs. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, on a ce jean-là, pareil, avec, il est vraiment beau celui-ci, avec plusieurs couleurs et plusieurs noms, bien sûr, je vous les montre. Allez, on y va. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment bien faits. On a des styles différents. Voilà, vous voyez, on détaille. Voilà, je vous ai montré. Ensuite, on a le pantalon qui va avec la veste. Alors, le pantalon qui va avec la veste, pareil, en plusieurs couleurs. Je vous le montre. Voilà, on a des styles de couleurs différentes, trois différentes couleurs. En blanc, en gris. Alors on va enlever l'objet qui est autour du cou, on va enlever les chaussures, on n'a pas été voir les chaussures, on va les voir après les chaussures. Allez, on va aller tout de suite regarder dans les chaussures. Alors dans les chaussures, je crois qu'on en a, il me semble. On en doit avoir deux paires ou trois, je ne sais pas, on va bien voir. On a deux paires, voilà, différentes. Style comme ça, marron. Brunica marron, avec plusieurs coloris, pareil. Qu'est-ce qu'il est ? Vous voyez ? En style, voilà, des petites couleurs différentes, voilà, comme toujours avec ça, en rouge, en comme ça, en plusieurs coloris, en rouge et en vert marron, en couleur comme ça, en bleu clair, en vert, en marron, en rose, pareil, en noir et en marron. Passons aux dernières chaussures. Celle-là, c'est des styles un peu différentes. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez, ces chaussures un peu de toffeur avec pareil plein de coloris. Voilà, je vous montre tout ça en blanc, en comme ça, en comme ça, on l'a en rose comme ça, en bleu, en jaune, en orange, en bleu foncé, en rose foncé, en rouge bordeaux, en bleu comme ça, en violet, en rouge, en vert, en comme ça, vert foncé, marron bleu, bleu et marron, en marron, en violet, en vert et en blanc et noir, en noir avec les lacets blancs. Voilà, voilà, je vous ai montré, je crois qu'on a fait le tour du pack. Allez, voilà, je vous ai montré et voici le personnage et les belles coiffures qu'il y a dans ce pack.
Vous pouvez faire deux styles différents à votre Sims, c'est parfait. Et voilà, je vous ai présenté le pack, le Bad Boy Pack CC pour hommes, bien sûr, hein, pas pour femmes. Et comme toujours, mettez petit j'aime, commentez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez, si vous n'êtes pas abonné. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, je vous mettrai les liens dans la description du pack pour le télécharger. Et je vous dis bye, c'était Louis du 10 Gaming, bye!